Salut tout le monde, c'est Smurf, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en live pour vous montrer deux lieux secrets donc sur la map. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc la première, c'est mon kiff, c'est mon voilà, c'est mon kiff. À vous de donner votre avis, lequel vous avez préféré, celle-là ou l'autre. Donc ici on est au nord de la map comme je vous ai montré. En gros c'est dans des égouts. Donc c'est vraiment pas mal pour se planquer, pour troller des personnes ou quand vous avez des flics ou un tank, un avion, et vous pouvez vous planquer. On va aller voir à l'autre bout, vous allez voir, il y a pas de sortie, il y a juste un grillage abîmé, donc du coup il n'y a qu'une sortie, une entrée. C'est vraiment cool parce que bah c'est bien pour troller les gens. Déjà ils peuvent croire qu'on est au-dessus et qu'en fait on est en dessous la map, en dessous la map, en oui, en dessous la route. Donc ça passe au-dessus de l'autoroute, en dessous l'autoroute plutôt. Et c'est vraiment cool pour se planquer, pour trouver les gens. À vous de me donner votre avis si vous préférez celui-là là, ou l'autre juste après. Donc voilà, vous avez vu. On peut aller jusqu'au fond, mais on peut pas ressortir. Moi, je trouve ça super cool parce que comment ça s'appelle, on peut troller les gens. Et c'est assez drôle. Donc voilà. Je vais vous montrer la deuxième partie. Vous allez voir, ça se passera en dessous, un peu plus bas que la map. Au sud de la map. Et du coup voilà, on va sortir de la map et moi je vais laisser sur les images et je fais une petite pause. À tout de suite. Et salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc j'ai pris un hélicoptère pour aller plus vite parce qu'en voiture c'est vraiment long. Comme vous avez vu, on était au nord et là on va se retrouver au sud de la map, pas loin de l'aéroport. On a fait un braquage juste ici, voilà, je suis en train de vous montrer où était le premier endroit. Donc voilà, vous avez vu, on est bien en dessous, on est là. Donc c'est un endroit où on avait fait des braquages, où il faut récupérer un hélicoptère. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un hangar côté qu'on fait des missions affrontement qu'on connaît tous. Et ce côté gauche, droite de côté. Et côté gauche, on n'a jamais été, je pense. Moi, je connaissais pas. J'ai vu une porte et je suis rentré. Vous avez vu, bon, il y a un bidon, faut pas se sauter. Faut se faire sauter la gueule, bien sûr. On peut grimper par-dessus les murs. C'est un endroit, c'est un chantier je pense, parce que vous allez voir, il y a des trucs d'ouvriers, il y a des toilettes. On va aller voir s'il n'y a pas du monde dans les toilettes, on sait jamais. Comme dans Trevor, s'il n'a pas mis un pied ou une tête. En mode histoire, rappelez-vous. Voilà, il y a plein de machines pour faire du bois. Alors je connais un peu, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est des machines pour faire du bois. Donc voilà, on peut monter, c'est bien pour la personne qui est planquée aux toilettes, tu fais coucou. Voilà, c'est pas mal pour se planquer. Ça peut être assez drôle, ouais. Il y a plein de choses, calendrier, je sais pas si c'est des nœuds ou je sais pas quoi. Voilà, ça peut être vraiment cool pour être là-dedans. Bon, bien sûr, il n'y a qu'une entrée, un ventilo. Il n'y a qu'une entrée, c'est bien pas mal pour faire des attaques de gang. Comme je disais, attaque de gang, c'est plutôt, comment ça s'appelle, gros bonnet. Vous avez juste à vous planquer, vous tirez sur les gens, vous êtes tranquille ici. Vous êtes trop bien pour se planquer, voilà, vous avez juste à faire exploser ça. Moi, je dis, c'est super cool. Donc on va essayer de faire exploser ça pour voir. Donc voilà, je vous ai montré les deux endroits en haut de la map et vers le sud de la map. La première c'était dans les égouts, là c'est dans les un hangar. Donc j'espère que ces deux vidéos vous a plu. Les deux endroits. Chercher, désolé. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de partager la vidéo si ça vous a plu. Laissez un max de commentaires s'il vous plaît, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, ça me fera super plaisir. Et si vous avez trop d'autres endroits à me dire, ou je sais pas, des bugs ou autre comme ça, il n'y a pas de souci, moi j'en ai d'autres sur mon PC et je pourrai vous faire ça en vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi je vous laisse sur les images et moi je vous dis à très vite, ciao, bye bye, et allez, bon game à tous, allez, peace.